On peut acclamer le nom du Seigneur, le libérateur, le rocher des siècles, l'ancien des jours, le Seigneur, le maître, propriétaire, pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui est semblable? On mange avec quel gamin? Adonai. Notre secours, notre abri sûr, notre source, source de ferveur, source de hardiesse, source de vie, de distinction, d'immunisation divine, de vitalité divine, source de la parole, source de prophétie, source des promesses, de capacité. Tu es notre maître, notre propriété. Adonai, Adonai, tu es mon propriété.
plénitude, à capacité, à vitalité. Mon enseignant, éducateur, source de puissance, source de sagesse, source de conseil, source d'intelligence, de révélation, mon nourrisseur. Adonai, we worship you. Adonai, we praise you. Adonai, we lift you up. Osaka, Adonai, nous t'honorons. Adonai, nous te couronnons. Adonai, nous te célébrons. Adonai, nous t'adorons. Adonai, nous te louons. Adonai, nous t'élevons. Oh, oh. Adonai, nous t'élevons. Nous te proclamons. Nous te reconnaissons. Adonai. Nous t'accueillons. Adonai. Nous t'honorons. Nous avons soif de toi. Adonai, nous dépendons de toi. Adonai, moteur de notre vie. Adonai, source de notre vigueur, Adonai, ferveur. Adonai, Adonai, nous te recevons. Adonai, nous dépendons de toi. De vie n'est pas un acquis. Une semaine de plus n'est pas un acquis. Nous sommes reconnaissants. Éduque-nous. Permets que ce culte soit conduit par toi, avec toi, en toi et pour toi. Merci Père pour le nom de Jésus. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le don du Saint-Esprit. Merci pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour l'assistance du Saint-Esprit. Merci pour le consolateur, le Saint-Esprit en nous. Merci pour l'onction, le Saint-Esprit sur nous. L'Esprit du Seigneur. Ce matin, fais la différence. Ce matin, éduque. Matin, envoie ta parole comme tu veux. Alors que nous reconnaissons notre incapacité totale et que nous reconnaissons dépendre de toi et de toi seul. Cher Esprit de Jésus, chère onction de Dieu, fais la différence, nous t'implorons, et que Jésus soit glorifié. Que tes œuvres soient palpables et manifestes. Que ton toucher soit certain. Que ta puissance soit libérée. Que ta main soit étendue. Que ta parole soit inspirée. Que ta parole soit vivante. Que l'onction brise les jougs. Que l'onction ôte les fardeaux. Que ta parole soit lancée comme un javelot. Et qu'elle déchire et qu'elle détruise les chaînes. Onction de Dieu. Fais la différence.
alors que tu es imploré, supplié, reconnu, aimé, cher Esprit de Dieu. Oh, magnifique Esprit de Jésus, chère onction de Dieu, c'est toi que nous désirons ce matin. Toi seul fais la différence. Il n'y en a pas de comme toi, non, 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 non. Tu es la personne la plus importante dans nos vies et sur la terre. Cher Esprit de Dieu, cher Esprit de Dieu, cher Esprit de Dieu, cher Esprit de Dieu, cher Esprit de Dieu. Combien magnifique, combien désiré tu es, combien imploré tu es, combien adoré tu es, combien attendu tu es, combien excellent, combien glorieux, combien merveilleux, combien magnifique, combien admirable. Sans tout le désir, tu es accueilli, tu es célébré, oh, tu es acclamé, cher Esprit de Dieu, tu es acclamé, celui qui honore l'Esprit de Dieu, honore Jésus-Christ. Esprit de Jésus, nous dépendons de toi, nous avons soif de toi, nous te réclamons. Magnifique, combien magnifique, combien magnifique. Dieu vivant, we welcome you once again. L'accueillons de nouveau. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bienvenue à vous, chère famille Impact Centre Chrétien. Vous qui êtes là, vous qui êtes loin, mais qui est en communion et qui contribue chaque dimanche par votre louange, votre adoration, vos offrandes à faire de cette famille ce qu'elle est. Quelqu'un dit amen? Voilà. Si vous ne contribuez pas dans toutes les dimensions, l'Église a le défi de savoir s'ajuster. Et je ne crois pas à la consommation de culte par Internet, je crois à la célébration. Voilà, la célébration, c'est en fait à distance, ce qu'on ne peut pas faire sur place. Ce que nous faisons ici, on le fait quand on est en ligne. Quand on dit offrande, celui qui fait le culte en ligne, il fait une offrande. Celui qui ne fait pas l'offrande, c'est un consommateur. Mais je ne parle pas de toi, mon frère qui regarde, parce que toi, je sais que tu as cliqué. Si tu n'as pas cliqué, tu cliques tout de suite au nom de Jésus. Amen. Comme a dit Paul, ce n'est pas ton argent, c'est ton obéissance, c'est ton adoration que Dieu recherche. Tu as remarqué que depuis le temps que tu ne fais pas d'offrande, l'Église avance. Elle continuera d'avancer. Donc ce n'est pas tes petits centimes. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Il y en a qui sont qualifiés pour parler de certains sujets. Je suis qualifié pour parler de ça. Je suis crédible par la grâce de Dieu. Donc je peux te parler. Je peux te parler de ça. Je peux te défier, te challenger, je suis qualifié. Voilà. Voilà. J'aime quand je suis crédible dans quelque chose. J'aime quand la crédibilité te rend confiant, détendu et te donne de l'assurance. Donc, quand un pasteur chrétien, nous parlons d'offrande, c'est parce que nous sommes les premiers à vivre ce que c'est que, à manifester le témoignage de ce que c'est que l'offrande. Nos vies sont des offrandes à Dieu. Ensuite, on ne s'arrête pas seulement au don de notre vie, mais on doit donner également aussi nos finances, et nous le faisons.
Voilà, c'est pour ça qu'on peut, on peut encourager les autres à faire ce que nous faisons. Et nous sommes crédibles lorsque nous le faisons, parce que nous montrons l'exemple. Nous croyons au leadership par l'exemple, pas par la théorie, les paroles, mais en montrant l'exemple, et nous montrant l'exemple. Voilà. Et la vérité, c'est que si on ne te donne pas l'occasion de donner, si on ne t'encourage pas à donner, on ne t'aide pas à récolter. Si Dieu veut te faire récolter, il doit t'apprendre à donner. Voilà, c'est tout. Donc, bienvenue. Avant de t'asseoir, je voudrais que tu dises à quatre personnes, quatre, c'est le chiffre de la terre, tu dis à quatre personnes, vraiment, je suis content de te voir aujourd'hui. Voilà. Ton gloire à Dieu est faible. Attends, je vais t'expliquer. Toi, tu n'as pas trois cultes à faire. Tu n'as pas conduit la prière. C'est vrai que tu as crié cette semaine quand même de jeûne et prière. C'est vrai. Tu as quand même donné de la voix. Mais tu n'as pas conduit. Donc, tu dois crier plus fort que moi. Quand je dis Amen, tu dois dire Amen. Alléluia. Ça, c'est du vrai, ça. Amen. Je voudrais commencer ce culte avant ma partie. D'abord en demandant, en présentant nos sincères excuses à toutes les... Il y a quelques centaines de personnes qui n'ont pas pu rentrer lors de la veillée d'avant-hier. Pas la veillée, la prière, la soirée de prière. On aurait dû prévoir une tente, mais même ça n'aurait pas suffi et ça n'a pas été anticipé. Et donc nous présentons nos plus plates excuses et promettant de nous ajuster dans ce domaine-là. Mais en même temps, nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que quand on voit la mobilisation... Il y a eu cette semaine pour la semaine de jeûne et prière. On se dit qu'assurément, quelque chose est en train de se passer. Demande à ton voisin, toi on dirait que tu as trop mangé avant de venir à l'église. Parce que les gens qui ont trop mangé ont l'habitude d'être lents à la détente. Tu vois? On te dit, les acclamations doivent être promptes. Tu vois, quand ton voisin fait comme ça, là. Oula. C'est impressionnant de voir comment le peuple de Dieu s'est mobilisé massivement. Comment dès lundi, toutes les salles, pas toutes les salles, là, l'auditorium et les salles, il y a Capsule Annexe, c'était déjà rempli dès le lundi. Et lorsque il n'y a pas un séminaire spécial, avec un grand orateur, un grand homme de Dieu. Il y a uniquement un grand Saint-Esprit dans la place. Et beaucoup d'entre nous, nous avons discerné ça. C'est pour ça que nous étions là, fervent, bouillant dans la présence de Dieu. Et jour après jour, nous pouvons reconnaître, qui reconnaît que le Saint-Esprit a agi dans sa vie et que quelque chose a commencé à se passer. Les prophéties vont s'accomplir. Les promesses seront magnifiques. Feste. Les intercepteurs sont dispersés au nom de Jésus. Le Saint-Esprit a commencé cette œuvre et il la rendra parfaite. Et de toutes les paroles qui ont été prononcées par Dieu à travers la méditation de sa parole ou à travers un réma qui t'a été adressé ou que tu as reçu, de toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche, aucune ne restera sans effet au nom de Jésus. La fidélité de Dieu sera constatée et attestée. Sa fidélité parlera. Ses œuvres seront visibles. Le nom de Jésus sera glorifié. Au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Cela m'amène à insister sur notre mobilisation parce que vous comprenez forcément que... Il faut qu'Impact Centre Chrétien, ici, là, on déménage. C'est une évidence. Voilà pourquoi nous avons lancé le projet des bâtisseurs du royaume. Et à ce jour, il y a... vous savez que tous les dimanches, nous sommes entre... En termes d'adultes, je ne compte pas les enfants. Nous sommes entre 2000 et 2500 adultes chaque dimanche, ici, à Boissy-Saint-Léger. D'ailleurs, Sergi est en train de pousser de manière extraordinaire. Impact Centre Chrétien, Sergi, vous savez que c'est maintenant bientôt 400 personnes tous les dimanches, quand même. Vraiment, hein. Je ne parle même pas de la famille internaute qui sont
sont quoi, plus de 5000 connexions, hein? Connexion, pas personne, connexion. Dis avec moi, waouh! Ça montre la popularité de la parole de Dieu. Ça montre que le Saint-Esprit est dans la place et qu'il est en train de se mouvoir. Et nous sommes reconnaissants de ce qu'il a entendu nos cris et il entend nos cris jour après jour. Quelqu'un me dit amen. Et donc, ça m'amène à relancer sur la nécessité pour nous, de, nous tous, de participer au projet des bâtisseurs du royaume. Quand on te dit participe, c'est pour ton bien. Ne t'inquiète pas, on sait de quoi on parle. Active l'alliance des hommes et des femmes qui deviennent riches pour Dieu. Et je bénis Dieu parce que j'ai vu parmi les vœux là, j'ai vu... Bon, tout le monde n'a pas rempli encore son enveloppe des bâtisseurs du royaume. Il y en a à peu près 250 qui ont rempli leurs enveloppes. Mais j'ai vu des gens qui essaient de rattraper ma foi. Ils essaient de rattraper mon niveau de foi. Donc, j'ai vu des gens qui ont mis 100 000, 100 000, 100 000. J'ai dit, hey, toi, tu mets 100 000, t'inquiète pas. J'ai décidé de doubler et de tripler et de monter. Tu ne vas pas me rattraper au nom de Jésus. Mais je suis quand même fier de voir comment certains ont défié. Dieu donne de la semence au semeur et il te donnera ta semence. À condition que tu ne sois pas paresseux, parce que la semence vient quand tu déposes les vases. Le vase, c'est une activité. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Le vase, c'est une activité. Ce n'est pas la paresse, c'est une activité. Mais à travers cette activité, Dieu va remplir ton vase et tu apportes ton offrande. Et là, tu as activé l'alliance avec Dieu. C'est fini. Plus jamais broke, pull, down, démantelé. Plus jamais. C'est comme ça. Je te garantis, je te promets que ça marche. Amen. Ceux qui sont là au premier rang vont te dire que les témoignages que le pasteur vient de donner ne sont qu'une infime portion des témoignages. Parce que si tu donnes tout ici, là, tu as, tu as droit à des vidéos, à des tribunes sur Internet où on te tire dessus en direct. Donc, on ne peut pas tout dire. Ah, Seigneur, compassion de ton peuple. Mais j'aime qu'on me tire dessus. Ça fait du bien. S'ils ont traité mon maître de Belzébul, tu veux qu'ils me traitent de quoi? Hein? Pourquoi on vous tire dessus? Mais c'est normal, on a tiré dessus. On a sali, accusé Jésus. Tu veux qu'on fasse quoi sur nous? Moi, quand on me tire dessus, je suis content. Jésus a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. C'est la répétition. Hein? Ça veut dire, soyez fortement heureux. Car votre récompense sera grande dans le ciel. Plus tu me tires dessus, plus tu augmentes ma récompense dans l'éternité. Pas sur la terre, dans l'éternité. Je préfère avoir une grande récompense dans l'éternité qu'une petite récompense sur la terre. Dans l'éternité, c'est-à-dire, je ne sais pas où est-ce qu'on va habiter là-bas. Mais je vois des récompenses massives. Si tu veux que ça vienne sur toi, accepte les persécutions. Oh. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. À Pointe-Noire, le Seigneur m'a poussé à enseigner sur comment devenir riche pour Dieu. Il y avait une ferveur. Au début, les gens disaient non, c'est impossible, comment, de quoi il parle? Mais au fur et à mesure que le Saint-Esprit a donné la parole, qui a commencé à ouvrir les yeux, illuminer les yeux des cœurs, les gens étaient fervents dans un pays où, à cause de la chute du pétrole, déjà même sans la chute du pétrole, déjà c'est compliqué. Mais avec la baisse du baril, c'est compliqué. Les gens perdent leur emploi. C'est quand même difficile. Mais les gens ont eu la foi, l'audace quand ils ont compris la parole sur comment devenir riche pour Dieu. Et le pasteur Jesselin m'a dit, sur les plus de 2000 personnes qui assistaient au séminaire, le premier dimanche là où j'ai annoncé ça, il y en a qui ont pris leur enveloppe, il y en a qui n'ont pas encore donné. Ils ont pris leur enveloppe, il y en a qui ont pris leur enveloppe, ils ont rempli. Ils ont mis des vœux de, comme dit pasteur André, de folie. Mais pas de folie, c'était des vœux de foi. Pourquoi? Dieu donne de la semence au semeur. Il le croit. Celui qui y croit, il reçoit la semence. Et les 250 personnes à Pointe-Noire, on se sont engagés pour plus de 3 600 000 euros. Ça, ce n'est pas les 2 000, 250. Ma prière, pour toi qui es sur Internet, ou pour toi qui es là, c'est que tu ne t'exclus pas de ça. Tu n'achètes pas les actions Apple parce que tu travailles chez Apple, ou parce que tu habites chez Apple, ou parce que tu vas chez Apple. Tu achètes les actions Apple parce que tu sais que c'est une action qui a de la crédibilité qui va monter. Tu sèmes un pacte sans chrétien parce que tu sais, même si tu n'es pas de bonne foi, que c'est le Saint-Esprit qui est derrière cette affaire. Tu sais que c'est le Saint-Esprit. Donc, sème là où tu vois que le Saint-Esprit est en train d'agir, sème comme ça, quand ça monte, la même grâce vient sur toi et tu montes avec. Oh, la vraie bouche. Bon, au moins, moi je t'aurais dit, hein, si après tu n'obéis pas, tu ne mets pas en pratique, ça te regarde. Mais ne viens pas dire, mais ces gens-là, pourquoi sont-ils à cette dimension? Nous, on aura marché sur la parole. Amen. Tu marcheras sur la parole au nom de Jésus. Amen. Et tu témoigneras. Quelqu'un me dit amen.
un pack centre chrétien, il y a à peu près 250 à 300 personnes qui pour l'instant ont remis leur enveloppe. Mais personnellement, je n'ai pas encore remis mon enveloppe. Donc j'avoue que je comprends. Mais je te supplie de ne pas t'exclure de ça. Fais tout. Minimum 10 000. À Pointe-Noire, le minimum, c'était 7 500 euros. Dans un pays où le salaire moyen, 80 000, c'est combien? 120 euros. 120 euros. C'est ça, le plus petit salaire. C'est 120 euros. Les gens sont engagés pour 7 500. J'ai dit, mais comment ils vont faire? Le Saint-Esprit m'a dit, annonce ma parole. Amen. C'est moi qui vais leur donner cette capacité. Amen. Et donne des paroles prophétiques. Annonce. Dis que là où on avait fermé les contrats sont ouverts. Amen. Dès le lendemain, ça n'a pas tardé. J'ai commencé à avoir des messages de témoignages. Les gens m'ont dit, mais c'est insolent. C'est trop fort. Ce que vous avez dit, pasteur, je leur ai dit, celui qui ne veut pas te donner accès, qui ne veut pas accepter ton vase, soit il se conforme, soit il démissionne, soit on le licencie. Dès le lendemain, il y a des gens qui avaient perdu leur poste. J'embrasse. Mais parce qu'ils mettaient les bâtons dans les roues, ils n'ont pas compris que les vases n'étaient plus des vases naturels, c'était des vases consacrés. Et que c'était Dieu qui combattait derrière. Alors que tu t'engages, ne t'inquiète pas. Dieu donne de la semence au semeur. Je ne suis pas entendu mon message, mais je ne sais pas pourquoi j'insiste autant. Mais Dieu donne, je n'ai pas fait ça au premier culte. Dieu donne de la semence au semeur. Il te donne la semence au nom de Jésus. Amen. Voilà, acclame, 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 acclame. Le Saint-Esprit, acclame. Quand le Saint-Esprit te délivre de la mentalité et du manque, mentalité de pauvreté et du manque, bénis Dieu ton âme. Voilà, donc aujourd'hui, maintenant, nous commençons. Et nous continuons notre message de la semaine dernière. De la semaine dernière sur comment faire pour que les prophéties, les paroles que Dieu a proclamées sur ta vie et sur ma vie, comment emmener ces paroles à devenir réalité. Dieu peut avoir dit, mais comment faire pour voir la prophétie ou la parole ou la promesse devenir réalité? C'est la question que nous posons. Tous les jours, Seigneur, tu as promis, Seigneur, tu as annoncé. Comment faire? Tout commence, on l'a dit la semaine dernière, par la prière. Lorsque nous adressons à Dieu toutes sortes de prières et de supplications, des prières de décret, des prières d'intercession, des prières de requête, on plaide devant Dieu pour que Dieu entende, pour que Dieu réponde, pour que Dieu exauce. Et tout ce qu'il faut, c'est que Dieu exauce et qu'il réponde. Et quand Dieu répond, il envoie toujours une... Oh là là, je répète, il envoie toujours une... Ah, c'est mieux. Ton voisin là, je ne sais pas. Voisin, nous nous interrogeons sérieusement à ton sujet. Dieu envoie une... Voilà. Dieu envoie toujours une parole. Et quand Dieu envoie une parole, ce sont des ordres. Quand le chef de l'État donne un ordre, ce sont les hommes qui se mettent en mouvement pour exécuter les ordres. Quand Dieu donne une parole, ce sont les messagers de Dieu, c'est-à-dire les anges qui exécutent les paroles que Dieu a données. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quand Dieu, et on a dit la semaine dernière que pour ce qui concerne les promesses, quand c'est une promesse fécondité, quand c'est la promesse, la faveur, l'accès, la santé, tout ça là, ce sont des fêtes pour lesquelles Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Ah ah, c'est comme ça qu'on attrape les gens. Dieu a déjà dit oui. Dieu n'a pas dit amen, c'est toi qui as dit yes et... Je répète, tu as dit yes et amen. Ça c'est toi qui as dit. Voilà, c'est ça. Quelqu'un me dit encore amen. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc Dieu a déjà dit oui et toi tu as dit oui et amen. Parce que si tu ne dis pas oui et amen, ça veut dire que tu n'as pas cru à ce qui a été annoncé. Mais quand tu dis oui et amen, ça veut dire je le prends, je l'attrape, je le saisis, je le prends comme ça. J'attache ça autour de moi, je marche avec ça. Avec quoi? Avec la parole. Ça veut dire que je suis enceinte de la parole. Amen. Je déclare que tu vas enfanter la parole au nom de Jésus. Amen. Dis-moi amen encore. Amen. Les anges sont des messagers. Les anges sont dans le contexte d'aujourd'hui, sont des livreurs de colis divins. Mais on a dit la semaine dernière que ce n'est pas suffisant que les anges soient en route. Parce que nous avons dit que tout colis divin
toute prophétie, toute parole que Dieu a annoncée fera toujours l'objet de tentatives d'interception diaboliques. Parce que toute prophétie rencontrera une résistance, mais toute prophétie ne rencontre pas le même niveau de résistance. Tout dépend du niveau de menace que représente la manifestation de ta prophétie, celle que tu as crue, la parole à laquelle tu crois. Voilà pourquoi il y a des choses que tu as, tu as l'impression que pour vivre ça, c'est facile. D'autres, tu as l'impression que c'est un combat, c'est un dur labeur. Il y en a pour se marier, tu sens qu'on dirait que c'est compliqué. Mais en fait, Satan est un stratège. Il va mettre plus de résistance là où il sait que ce qui sortira de la manifestation de cette prophétie, c'est quelque chose qui sera à la gloire de Dieu. Quand un mariage sera un mariage de témoignage qui va amener les nations à fléchir, qui va amener ta famille à dire non, on t'a combattu, on t'a appelé vieille fille, vieux gars, vieux garçon, tout ça. On a tellement... Quand Satan sait que ça, c'est la gloire de Dieu qui va sortir de là, parce que tout ce qui va sortir n'est pas forcément gloire de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses, il y a des trucs que Satan, il y a des projets qu'il ne combat pas. Mais quand c'est la gloire de Dieu qui va sortir, il va combattre, il va faire l'objet de, il va essayer d'intercepter. Mais les intercepteurs qu'il mettra aux différents carrefours sont consumés par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et ceux qui étaient dressés, positionnés pour empêcher la manifestation, qu'ils soient précipités à terre au nom de Jésus. Qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Voilà pourquoi tu as l'impression que certaines choses, tu sais que c'est ton héritage, tu sais que ça, normalement, ça t'appartient, la santé, la faveur, la percée, tout ça. C'est normal, c'est mon Dieu. Mais pourquoi ça traîne? Parce qu'il y a une résistance. Voilà pourquoi on a dit qu'il faut être zélé. Il y a une résistance. Mais ces résistances céderont au nom de Jésus. Amen. Au fur et à mesure qu'elles ne céderont pas juste parce que nous disons amen, elles céderont parce que nous payons le prix par toutes sortes de prières et de supplications, de requêtes, de ferveur, d'intercession. Lorsqu'on l'Église se met ensemble, quand l'Église se met ensemble en train de prier, l'Église est en train de faire un bras de fer. Si l'Église ne prie pas, il n'y a pas de bras de fer parce que la prière donne la force. Quand l'Église prie ensemble, c'est un bras de fer. Et nous ferons céder par la puissance du Saint-Esprit ceux qui résistent, ils céderont. Je n'ai pas entendu ton amen. Donc c'est normal que certaines paroles, certaines prophéties soient combattues. Voilà pourquoi parfois tu sens que pour certains c'est le mariage, tu sens que ça bloque. Après ça, c'est comme si tout roule, tout coule, tout roule comme sur des roulettes. Tout avance comme sur des roulettes. Il y en a, le mariage c'était pas un combat, mais c'est l'enfant. L'enfant, ça c'est compliqué. C'est parce que l'enfant qui va sortir de là, c'est un enfant Samuel, c'est un enfant qui sera un instrument. Et le diable sait. Il le sait. Voilà pourquoi quand quelqu'un est en train de combattre, son combat ne vient pas dire, mais pourquoi chez toi ça traîne? Tu dis tais-toi, tu ne sais pas, tu connais pas les enjeux. Tu sais pas. Parce qu'il y a des gens qui essaient de te démoraliser, de te décourager. Mais pourquoi tu as tel problème? Pourquoi c'est pas normal? Tu es un serviteur de Dieu, tu pries Dieu, tu crois en Dieu. Pourquoi tu as tel problème? Ça ne va pas, tu as attaqué. J'ai dit, je ne suis pas attaqué, il y a un combat qui a lieu. Tu perds mon temps. D'ailleurs, je n'ai pas envie de t'entendre parler. Tu ne comprends pas. Laisse-moi parler aux gens qui sont enceintes. Au moins, les personnes qui sont enceintes pourront comprendre ce que je suis en train de vivre et de décrire. Y a-t-il une personne enceinte à la place? Bon. Il n'y a rien de pire quand tu es enceinte que de parler à quelqu'un qui ne connaît rien à la grossesse. Quand tu as les nausées, il dit, c'est ça nous les hommes malheureusement. Quand tu as la nausée, il dit, ah tu en fais trop. Je dois manger, ah tu manges trop. Tu comprends pas ce que j'allais être enceinte. Chez mon mari. Alléluia. Mais maintenant que nous sommes enceintes spirituellement, nous comprenons un peu mieux ces notions. C'est pour ça que nous devenons plus indulgents et miséricordieux lorsque nous voyons des grossesses physiques. Alléluia. Mais nous ne comprenons quand même pas toujours pourquoi il y a des kilos jusqu'à 25, 30, 40 kilos. Sans effet, là c'est trop. Waouh. Donc, dès lors que ce combat d'interception des paroles que Dieu a libérées, dès lors que ce combat est une réalité, puisque chaque prophétie, on l'a vu, sera attaquée, fera l'objet d'une interception. Dis avec moi, elle échoue au nom de Jésus. Quelle doit donc être notre manière d'agir? On a vu que notre manière d'agir, contrairement à ce que nous sommes tous habitués à faire,
n'est pas la peine de murmurer, ce n'est pas la peine de te lamenter, ce n'est pas la peine de critiquer, ce n'est pas la peine d'accuser Dieu. Dieu n'y est pour rien. Quand c'est une promesse qu'il a donnée, il a déjà dit oui. Donc Dieu n'y est pour rien. On a vu que c'est un combat. Quelle doit être donc notre attitude? Eh bien, c'est simple. Notre attitude doit consister à appliquer les mêmes clés, les mêmes principes, à opérer avec les mêmes secrets qu'ont opéré les hommes et les femmes, les témoins de la foi qui nous ont précédés et qui, à eux aussi, après avoir rencontré de l'opposition, ont fini à travers le combat de la foi, ont fini par remporter leurs promesses et voir la manifestation de la parole à laquelle ils avaient cru. D'où le titre de mon message, le combat de toute notre vie, le combat de la foi. Ça, mon frère, ma soeur, hein, personne n'y échappera. Le combat de toute la vie, le combat de la foi. Dis avec moi, le combat de la foi. Il y aura toujours des domaines où tu diras, oh, Seigneur, ça va. Mais il y aura des domaines où tu reconnaîtras que là, c'est vraiment un combat. Ça ne sera pas le même combat toute ta vie au nom de Jésus. Mais quand une montagne s'aplanira, une autre se dressera. Ce n'est pas une malédiction que je t'annonce, c'est juste une réalité. Dans la vie, il y aura toujours des montagnes. Parce que t'imagines un peu, s'il n'y a plus de montagne, il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'opposition. Quand il n'y a pas d'opposition, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus d'épreuve. C'est là que la plupart des gens se laissent aller à l'assoupissement total. Voilà pourquoi Dieu permet parfois certaines épreuves, parce qu'elles nous gardent en permanence. Parce que si tout va bien, tu vas dire quoi? Oh mon âme, réjouis-toi, sois heureux, apprécie la vie. Croise les jambes, mon âme, yes. Mon âme, tout va bien pour toi. Aucune adversité, aucun problème, aucun défi. Wow, quelle vie. Mon ami, ça n'arrivera pas dans cette vie. Si ça arrive pour l'instant, c'est parce que tu es encore enfant. Grandis. C'est pour ça que nos enfants n'ont pas envie de grandir. Ils disent, quand je vous vois avec tous les problèmes que vous avez, laisse-moi jouer encore. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y aura toujours des montagnes. Les montagnes te rendent humble et t'obligent à chercher Dieu. Les montagnes te rendent humble et t'obligent à dire à Dieu, comment on la déplace celle-là? Comment on fait pour la déplacer? Seigneur, montre-moi le secret. Comment on la déplace? Les montagnes t'obligent à garder la communion avec Dieu. Les montagnes t'obligent à rester dans la supplication. Les montagnes te gardent dans l'humilité. Les montagnes, même si tu ne les aimes pas, sont une bénédiction. Parce qu'elles te rendent extrêmement prudent. Elles te rendent mesuré. Là où tu es intolérant vis-à-vis des montagnes des autres, quand tu as tes propres montagnes, et que tu vois quelqu'un qui pleure devant ces montagnes, tu dis, mon gars, fortifie-toi seulement. Mais quand tu n'as pas de montagne, tu dis, pourquoi tu pleures devant ta montagne? Pourquoi tu pleures? Oh! Mais quand tu sais que toi, tu as une montagne qui t'attend aussi devant toi, tu dis, hé, hey, mon gars, soutenons-nous mutuellement. Dis à ton voisin, je te soutiens. Je ne te demande même pas c'est quoi. Je ne te demande même pas si tu as des montagnes. Je sais que tu as des montagnes dans ta vie. Dis à ton voisin, je te soutiens. Ah. Chacun d'entre nous, dans un domaine ou un autre, sera obligé dans sa vie de mener ce qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la foi. Le combat de la foi dont on parle n'est pas, en vérité, ce n'est pas le combat contre le diable. Et ce combat ne nécessite pas de connaître les noms de tous les démons et les hommes qui s'opposent à toi et qui te font barrage. Non, le combat de la foi, c'est un combat qui consiste à tenir ferme dans la profession de ton espérance, dans la déclaration que tu as, dans la foi. La parole que tu as entendue, tu tiens ferme, tu restes sur cette parole, tu ne descends pas, tu restes ferme, tu ne chancelles pas, tu endures dans la foi. Ce combat de la foi, c'est un combat qui consiste à garder la parole, à garder la prophétie, à la saisir avec le bras de ton homme intérieur et à ne pas lâcher le colis divin que tu transportes. Tu attrapes la parole et tu la gardes. Et quand on te cogne, quand la vie te donne des coups, la main doit continuer. Même quand tu prends un coup, le colis ne doit pas tomber. Le colis doit rester
dans la main. Ça, c'est le combat de la foi. Parce que les coups de la vie viennent pour que ce que tu tiens tombe. Ça ne tombera pas au nom de Jésus. L'attaque, les attaques de la chair, des démons et du monde sont des attaques qui visent, qui ont comme objectif de nous faire lâcher ce que nous avions attrapé et saisi hier. C'est ça le combat de la foi. C'est un combat. Tu n'as pas besoin de connaître tous les noms des démons auxquels tu es confronté. C'est un combat qui consiste à ne pas lâcher. Quand tu dis fécondité, c'est fécondité. La voix de l'esprit de stérilité dit viens. La voix de l'esprit de stérilité te dit tu n'enfanteras pas. Toute ta famille là, les gens sont stériles. Toi, tu gardes la parole. Tu dis quoi? Tu vois? Tu n'as pas de parole. Tu dis quoi? Tu ne médites pas la parole. Hein. Tu dis la Vierge enfantera 7 fois. J'enfanterai au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. C'est ça le combat de la foi. C'est un combat qui ne consiste pas à connaître tous les noms. Tu ne connaîtras pas tous les noms de tous les démons. Dieu ne te les montrera pas. Ce n'est pas la peine de dire. Dans le livre de Daniel, il est écrit que le chef du royaume de Perse a combattu, m'a résisté pendant 21 jours. Donc, par conséquent, prince du royaume de Perse, il n'est pas là. Tu peux pas répéter. C'est pas lui. Tu ne sais même pas quel est son nom. Mais tu n'as pas besoin de connaître son nom. Le combat de la foi ne consiste pas à connaître son nom. Le combat de la foi consiste à plaider devant Dieu. D'abord, un, tu tiens ferme le colis. Deux, tu plaides devant Dieu. Tu dis au Seigneur, tu as dit dans ta parole. L'église plaide ensemble. Tu as dit dans ta parole. Seigneur, étends ta main. Seigneur, à ton nom, donne gloire. Quand tu es en train de plaider, tu es en train de plaider pour que Dieu exauce. Et quand il a déjà exaucé et que tu continues de plaider, tu ne plaides pas pour qu'il exauce, tu plaides. Et à force de plaider, à force que l'Église plaide, ce qui se produit, c'est que Dieu détache des renforts angéliques qui vont aider les livreurs qui sont ralentis dans leur processus parce que la réponse de Dieu, pour que la manifestation ait lieu, il faut que des renforts viennent depuis le ciel pour aider les porteurs de colis qui viennent à ta vie. Il y a besoin de renforts. Les renforts sont déclenchés par Dieu lorsque nous plaidons en tant que corps spirituel, en train de dire « Seigneur, tu as dit dans ta parole !» C'est ce qui s'est passé lorsque Pierre a été emprisonné et que l'Église a prié toute la nuit pendant plusieurs jours. L'Église a prié pendant 8 jours, 9 jours, pendant 9 jours exactement. C'était le temps que durait la préparation de la Pâque. Et la Bible dit qu'un ange est allé dans la prison visiter Pierre en personne. C'est ce que font les renforts. Le combat de la foi exige de savoir plaider, prier. Jusqu'à ce que la gloire de Dieu atterrisse dans la situation. Le Saint-Esprit m'a dit, tu n'as pas besoin de connaître les noms de toutes les entités. Tu ne les vois même pas. Tu ne sais pas quelle domination, quelle principauté. Demande-moi seulement, prie seulement jusqu'à ce que ma gloire atterrisse. Quand ma gloire va atterrir, chacun des gens qui sont là sauront ce qu'il a à faire. Ma Bible dit que Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. C'est ce qui se produira lorsque la gloire de Dieu atterrira. Et je déclare qu'elle a commencé à atterrir et que la gloire sera renforcée. Au nom de Jésus. J'ai pas entendu. Le Saint-Esprit m'a dit, déclare, ça s'accomplira. Donc quand je te dis quelque chose, je te conseille pour toi-même de savoir l'embano. Attrape la parole et tu dis quand tu l'attrapes, tu dis amen. Voilà, ça veut dire ainsi soit-il ou qu'il me soit fait selon cette parole. Alors, comment faire pour voir la prophétie est devenue réalité? On a lu la semaine dernière Hébreux 6, verset 11 à 12. Hébreux 6, verset 11 à 12. On va le relire, version 8 secondes. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Dis avec moi le même zèle. Dis avec moi la même ferveur. La même hardiesse. Chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point. Qu'est-ce qui permet de ne pas se relâcher là où tout le monde se relâche? Qu'est-ce qui permet de ne pas céder là où tout le monde cède? C'est le zèle. Premier ingrédient, le zèle.
Et je suis convaincu que plus d'une personne a vu son zèle être réveillé cette semaine. Et ce zèle ne baissera plus, il restera intact désormais jusqu'à la manifestation totale de l'espérance à laquelle je m'étais accroché. Quelqu'un me dit amen. Verset 12, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc on a dit, là c'était trois éléments. Un, le zèle qui ne fluctue pas, qui ne baisse pas. Deux, la foi. Trois, la persévérance. Aujourd'hui nous voulons voir la foi. Dis avec moi la foi. Il dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance voient la manifestation de ce qui avait été annoncé. Et lorsqu'on parle de foi, quelle est la personne la plus crédible dans la Bible pour nous parler de la foi, si ce n'est le père, celui que la Bible appelle le père de la foi, c'est-à-dire Abraham. Dis avec moi la foi. Dis avec moi la foi. Donc, le Saint-Esprit m'a amené cette semaine, dans une étude, on va lire beaucoup la Bible aujourd'hui, là. On va lire un peu. Il m'a amené dans cette étude pour voir, étudier Abraham comme, j'avoue que je n'avais jamais, été conduit à étudier le parcours de la foi d'Abraham de cette manière. N'empêche que si la Bible appelle le père de la foi, c'est parce que c'est à partir d'Abraham qu'on voit pour la première fois un être humain qui, malgré ses faiblesses, réussit à marcher, réussir à cheminer avec Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Abraham est le premier être humain à avoir démontré à l'humanité ce que signifie véritablement marcher par la foi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Abraham, dis avec moi Abraham. Abraham n'est pas le symbole de la foi parfaite qui ne chancelle jamais, qui ne vacille jamais, qui est toujours ferme. Non, tu vas voir tout à l'heure que ce n'est pas vrai du tout. Non, par contre, Abraham est l'exemple même d'un homme de la même nature que nous qui est parvenu en dépit de sa chair, en dépit des combats de la chair, du diable et du monde, la coalition tripartite. Abraham est l'exemple même de l'homme, même nature que nous, mais qui, en dépit de toutes ces choses, chair, monde, diable, est parvenu à entendre Dieu, à communier avec Dieu, à obéir à Dieu et à connaître le Dieu qu'il avait appelé. Le Saint-Esprit m'a dit, aucun homme, ce que toi tu vis aujourd'hui, dont tu as l'impression que c'est un combat que toi seul vis, je parle de la chair avec ses passions et ses désirs, les cinq sens. Je parle de ces voix démoniaques que tu entends. Il n'y a pas besoin que le démon soit en toi pour que tu entendes sa voix. Je n'ai pas entendu. Il n'y a pas besoin qu'un démon soit en toi. Quand tu entends une voix, qui te dit que tu ne vas jamais y arriver, ça ne veut pas dire qu'il y a un démon en toi. Hein. Ça veut juste te dire que Satan a la capacité de parler, de la suggestion, le pouvoir de la suggestion. Quand elle a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, il n'était pas en elle. Il n'habitait pas, mais il peut suggérer. Dans toutes les pensées que tu entends, une pensée que tu entends d'un esprit mauvais ne veut pas dire que Satan est à l'intérieur. Calme-toi. Dis seulement amen. Dis avec moi, c'est une bonne nouvelle. Abraham, tout ce que nous connaissons, l'oppression du monde comme système de pensée, Abraham a connu ça. La chair avec ses passions et ses désirs qui essaie de souffler sur la foi. La vue qui essaie d'annuler ce que Dieu a dit. Lui qui essaie d'anéantir ce que le Saint-Esprit a imprimé dans ton cœur. Abraham a connu ça. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui, Abraham était un homme de la même nature que nous. Il a connu ça lui aussi. Et à la différence que Abraham, contrairement à nous, n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Quelqu'un dit amen. Abraham, malgré sa faiblesse, est parvenu à entendre Dieu, donc tu peux entendre Dieu. À communier avec Dieu, donc toi aussi tu peux communier avec Dieu. À obéir à Dieu, donc toi aussi tu peux obéir à Dieu. À connaître le Dieu progressivement. Au début, ne le connaissait pas. Il a obéi sans le connaître. Il a appris à le connaître au fil des années. Toi aussi, tu apprends à le connaître au fil des années. Quelqu'un dit amen. Abraham est l'exemple de l'homme qui a appris à rester fidèle et loyal à Dieu, même lorsque Dieu semblait tarder à manifester la parole qu'il avait annoncée.
Jamais vous ne... Abraham a appris à rester loyal et fidèle à Dieu. Jamais tu ne lis que Abraham est reparti en Chaldée à Charan. Abraham n'est jamais reparti là où Dieu l'avait appelé. Abraham n'a jamais connu la rétrograde malgré le fait que Dieu tarde dans la manifestation de la prophétie. Abraham avait compris que lorsqu'on scelle une alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Que Dieu n'agisse pas comme il voudrait qu'il agisse. Abraham restait là, ferme, et il continuait de marcher avec Dieu, même quand son âme était frustrée. Donc tu n'as pas le droit de rétrograder au nom de Jésus. Abraham est le premier exemple d'un homme qui, sur la terre, malgré les déceptions que son âme ressentait vis-à-vis de Dieu, à cause des promesses qui n'étaient pas encore manifestées, tu peux être sûr que son âme, comme l'âme de tout le monde, quand les promesses tardent, l'âme de tout le monde a tendance à se sentir frustrée. Malgré les frustrations de son âme, Abraham est l'exemple du premier homme qui n'a jamais laissé les circonstances de la vie l'empêcher d'aimer Dieu. Au point que Abraham a été qualifié dans Jacques 2, verset 23, d'ami de Dieu. Ah, la Bible dit au verset 23 de Jacques chapitre 2, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Confident, intime, malgré le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi les choses se passaient comme elles se passaient dans certains domaines de sa vie, il n'a jamais laissé quoi que ce soit l'empêcher d'aimer Dieu. Et il a démontré à tellement de reprises, quand Dieu lui demande de laisser partir Ismaël, ça l'a blessé, il a laissé partir. Quand Dieu lui demande d'offrir Isaac, ça faisait mal, mais il a offert Isaac. Abraham a été l'exemple d'un homme, pour la première fois, qui aimait véritablement Dieu. Voilà pourquoi il est le père de la foi. Il est le premier à avoir montré qu'on peut bien commencer avec Dieu et bien finir avec Dieu. Ça sera notre partage au nom de Jésus. Alors, en réalité, quand les gens comme Paul disent qu'il me séparera de l'amour de Dieu, en fait, Paul, était en train de marcher sur les traces de la foi du père Abraham, qui savait ce que c'était que de ne rien laisser te séparer de Dieu, t'empêcher d'aimer Dieu et d'obéir à sa parole. Ce reste la tribulation, le péril, l'épée, la famine, l'angoisse, la nudité, la faim. Rien, j'ai prêté allégeance à l'agneau de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Alors dès lors, la question est, quelles sont les caractéristiques de cette foi qui, malgré les oppositions, a permis à Abraham et à tous les témoins, les héros de la foi, quelles sont les particularités, que contient cette foi qui, malgré les tentatives d'interception, a permis aux patriarches comme à Abraham de voir néanmoins les paroles qui avaient été proclamées sur lui devenir réalité. Qu'est-ce qui a permis cela? Qu'est-ce que Abraham a compris? Alors, on va lire Romains chapitre 4. Tu me diras, tu as déjà entendu ça? Mais attends d'abord, attends qu'on avance. Romains 4, versets 17 à 21. Quelles sont les particularités de la foi d'Abraham? Quelle est cette foi qu'il a manifestée? Quelqu'un me dit amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Romains 4, verset 17 à 21. Il dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu annonce, Dieu a la capacité aussi de l'accomplir. Quelqu'un me dit? Amen. Qu'est-ce qui caractérise cette foi d'Abraham? Qui lui a permis de voir la manifestation de ce qui avait été annoncé? La Bible nous dit
En quelques points, le premier point, Abraham croyait en deux vérités qui étaient marquées comme au fer rouge sur les tables de son cœur. Abraham ne démordait pas de cette certitude qui était imprimée à l'intérieur de lui. Abraham croyait que, un, Dieu donne la vie à quelque chose qui a été déclaré mort, quel que soit son nom. Abraham croyait que ce qui a été déclaré mort peut revivre, si Dieu met sa main dessus. Abraham, deuxièmement, croyait que Dieu est celui qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Abraham savait qu'il y avait de la fiabilité dans la parole de Dieu et que la parole de Dieu suffisait à appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que là où on t'a dit que tu as une malédiction qui te poursuit, une malédiction générationnelle qui traverse la lignée sanguine et qui te poursuit, Abraham croyait que si un homme de Dieu dit « J'appelle sur toi et je proclame la bénédiction du Seigneur qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin », et Abraham savait que si une parole comme ça sort, ça veut dire que par cette parole, Dieu va appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Abraham valorisait la parole prophétique. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu as compris la dimension de la parole prophétique, tu ne cherches plus à ce qu'on te touche. Tu cherches juste à recevoir les paroles qui sortent parce que tu sais que cette parole ne restera pas parole, c'est une graine. Et quand on va rencontrer le champ de mon cœur, quelque chose sera manifesté. Les destinées sont construites sur la parole parce que par la parole, on peut détruire ou construire, bénir ou maudire. C'est la parole. Abraham savait que cette parole vient de Dieu. C'est suffisant. Elle va appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça, Abraham était sûr de ça. La deuxième chose qu'il dit, ça c'est le premier point qu'Abraham a compris, la deuxième chose qu'il écrit sur Abraham, c'est qu'Abraham atteint la dimension où il espérait contre toute espérance. Ça veut dire que normalement, tous les signes, les symptômes, les facteurs humains disent que ce n'est pas la peine, c'est humainement impossible, il faut jeter l'éponge, jamais personne dans ta famille n'a fait ce que tu veux faire, jamais personne dans ton pays, jamais personne sur la terre, je serai le premier au nom de Jésus. Tel il est, tel je suis. S'il est le premier, je suis le premier moi aussi. Oh, mais quelqu'un me dit Amen. Je crois que je suis qualifié pour dire ça parce qu'il y a beaucoup de domaines où j'ai fait des choses. On m'a dit, personne n'avait jamais fait ça. Il dit, je suis le premier. Christ en moi est le premier, donc je suis le premier. Ce n'est pas lui qu'on voit, c'est mon corps. Mais en fait, je sais que le secret, c'est lui, mais je suis le premier. Premier à avoir fait le CD priant ensemble, un CD qui inspire. Même les musulmans, jusqu'à aujourd'hui, ils envoient mes messages. Castanou, je t'aime toi. Il y en a qui disent, mon Dieu, il faut que ça change. C'est incroyable. Vraiment. Oh, si seulement vous aviez été musulman. Waouh. Dis avec moi, je suis le premier ou la première. La Bible dit qu'il espérait contre toute espérance. Comment tu fais pour espérer alors que tout le monde a jeté l'éponge? Ça veut dire qu'Abraham était zélé. C'est le zèle, la ferveur qui permet d'être bouillant. Les gens disent, ah, fais comme moi, hein, capitule, je dépose les âmes devant Satan, dis à Satan, tu as gagné. Et Abraham dit, jamais. Il n'a pas gagné, la parole gagnera dans ma vie. Oui. Oh, je n'ai pas entendu toi, Amen. Oui. Troisième secret d'Abraham, de sa foi, il dit, il ne faiblit pas dans la foi. C'est ce qui est écrit, non? Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, sans faiblir. Ça veut dire qu'il n'a pas faibli. Comment as-tu fait pour ne pas faiblir? C'est simple, il donne la réponse. Il ne considéra point. On leur dit, oui, mais normalement, humainement, techniquement, scientifiquement, tout ça. Il dit, je ne considère pas. Oui, mais il y a ça, d'accord. Mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas ça. Je n'ai pas dit que ce que vous dites est faux. Je dis que je ne considère pas. Je ne mets pas mon attention sur ce sur quoi vous mettez votre attention. Je ne considère pas. Les symptômes augmentent. Je ne considère pas. L'âge passe. Je ne considère pas. Au numéro 4, il dit, il ne douta point au sujet de la promesse. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Au contraire, il fut fortifié dans la foi. Il fut fortifié.
fortifié, c'est écrit quoi? C'est, oui, mais le passage, mais le passage. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ce que ça veut dire, ça, m'a dit le Saint-Esprit. Écoute-moi, il n'y a aucun moyen, quand tu ne vois pas une promesse se manifester, il n'y a aucun moyen de louer Dieu, de célébrer Dieu. Abraham a dansé. Donner gloire à Dieu, ça veut dire qu'Abraham a célébré. Dès que Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui a dit, ta femme sera enceinte. Abraham a dit, yes. Vous savez quoi? Je m'appelle Abraham. Yes. Et puis, il a commencé à chanter, à danser, donner gloire à Dieu. Il n'y a aucun moyen de donner gloire à Dieu quand tu ne vois pas la manifestation d'une promesse si tu ne disciplines pas ton âme. Parce que quand tu ne vois pas la manifestation, ton âme... Rends-moi gloire. Attends d'abord. Manifeste la prophétie. Je vais chanter. Abraham a chanté avant l'accomplissement de la prophétie. Tu sais comment on fait ça? On fait comme David. Mais en fait, David marchait sur les traces de la foi de Abraham, le père de la foi. Quand David dit, hey, mon âme, qui t'a dit de t'abattre? Bénis Dieu. Chante. Allez, chante. Chante. Hein? Allez. Mon âme dit, ah, j'ai pas envie. Hé, hey, viens ici, les mains là. Tant que j'ai la voix, je chanterai. Tant que j'ai les mains, j'acclamerai. Tant que j'ai les pieds, je danserai. Je bénirai ton nom. Le fait de créer cette atmosphère autour de lui a chassé la voix du doute et a fortifié sa foi. C'est comme ça qu'on éteint la voix du doute parce que Satan ne supporte pas la louange. Yes. Quand tu commences à célébrer, à louer, la voix du doute dit, ah, 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 je m'en vais, je m'en vais. Que Dieu réveille l'onction de la louange et de l'adoration au nom de Jésus. Dis-moi amen. Il fut fortifié dans la foi, donnant gloire à Dieu. Et en donnant gloire à Dieu, Abraham a reçu, c'est le secret d'Abraham, la certitude que ce que Dieu annonce, il a le pouvoir de l'accomplir. Il a en lui la capacité d'emmener ce qu'il a annoncé à manifestation. Quelqu'un me dit amen. Quand tu lis ce texte, ce beau texte, il nous fait dire à tous, waouh, quelle foi! Le gars, sans avoir la Bible à son époque, sans avoir le Saint-Esprit en lui, tu dis, waouh! Il a eu tout ça parce que tu compares à ta foi. Je compare à ma foi et je m'incline et je baisse la tête. J'ai dit, Père Abraham, chapeau. Si c'est vrai, dis amen. Amen. Si c'est vrai, acclame. Parce que tu sais que c'est vrai. Mais la question, c'est à quel moment de sa vie Abraham a eu cette dimension de foi de Romains 4, 17 à 21. À quel moment Abraham a atteint cette conviction? Parce que là, la foi de Abraham qu'il décrit là, c'est une foi inébranlable. C'est une foi ferme. C'est une foi qui, quelles que soient les circonstances, il a cru. Il sait que Dieu donne la vie à ce qui est mort. Il sait que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il espère contre toute espérance. Il ne faiblit pas dans la foi. Il ne doute pas. Il rend gloire à Dieu. Et il reçoit une conviction. Qu'est-ce que Dieu a accompli? Il peut l'accomplir. La question, c'est à quel moment Abraham a eu cette foi ferme, inébranlable? Est-ce que c'est quand il a commencé à marcher avec Dieu, quand il a quitté Charan? Est-ce que c'est quand Dieu l'a appelé qu'il a commencé à avoir cette foi? Non! Le Saint-Esprit m'a dit, Abraham était un homme de la même nature que toi et moi, avec les mêmes défis que toi et moi, avec la lutte contre la chair, contre les démons, contre le monde. Donc, forcément, Abraham aussi, de la même manière que toi et moi, notre foi, on peut avoir la foi. Aujourd'hui, dis amen. Dis amen. Mais la vérité, tu la connais, c'est que quand tu sors de l'église, à l'église, tu sors de là, tu es galvanisé. Chakabo, ha! Une semaine, deux semaines. Entre-temps, la chair, par les cinq sens, fait entendre sa voix. Le monde, par les fréquentations, te dit alors, ça a changé. Et puis la voix des démons qui t'attaquent et qui veulent empêcher ta guérison, te disent ton pied, mon pied.
je serai toujours là avec toi éternellement. La réalité, c'est qu'une foi ferme et inébranlable ne se construit pas en une journée. Elle ne se construit même pas en un an. Ça prend tout un cheminement au cours duquel ta foi va être ferme. À un moment donné, elle faiblit un peu. Et puis elle redevient ferme si on te reprend sur le même message, à condition qu'on te reprenne sur le même message, parce que la parole contient la vie, les vitamines, les nutriments qui ressuscitent la foi. Et puis après, même quand ta foi est ressuscitée, boum, elle prend encore un coup. Et tu as encore besoin d'être rechargé. Et puis après, elle prend encore un coup. Mais il arrive un temps, et ce temps est venu, où cette foi devient ferme et inébranlable. Quelqu'un me dit amen. Alors, quand est-ce que la foi d'Abraham a cessé de tanguer, de vaciller, d'être instable? Quand? Pour voir ça, il faut aller lire l'historique, le cheminement, le parcours de la vie d'Abraham qu'on va lire maintenant. Et tu vas comprendre. À quel moment Romains 4, verset 17, s'est accompli? Abraham n'a pas commencé comme ça. Quelqu'un me dit amen. Son histoire a commencé en Genèse 12. L'histoire de sa marche avec Dieu a commencé en Genèse 12. Déjà en Genèse 12, Dieu lui annonce une parole. Dieu lui dit, je ferai de toi un père des nations. Mais si Dieu dit, je ferai de toi un père, ça veut dire que tu vas enfanter. Dis amen. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelqu'un me dit amen. Amen. Quand tu lis au verset 4, la Bible dit qu'il avait 75 ans. Donc, quel que soit ton âge, Kokouba, même à 80 ans, il n'est pas trop tard pour être appelé. Voilà, donc nous sommes tous qualifiés, nous sommes tous au bon endroit, quel que soit notre âge, il n'est pas trop tard. Arrête de dire que non, c'est trop tard, j'aurais aimé me convertir plus jeune. J'aurais aimé avoir l'âge du pasteur. Oh là, nous c'est déjà passé, nous. Non, non. Même à 60 ans, 70 ans, on peut encore se lever. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Donc, en Genèse 12, ici, on voit que Abraham a manifesté sa foi en Dieu, puisque Dieu lui dit, va-t'en de ton pays, quitte ton pays, va. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il est parti. La foi sans les œuvres est vaine. Abraham a démontré sa foi par son action. Il est parti. Ça veut dire qu'Abraham avait foi en Dieu. Il avait foi dans les paroles qui lui avaient été annoncées. Et la preuve de cette foi, c'est qu'il s'est mis en mouvement. Donc, il croyait. Il croyait en la parole qui lui disait, tu seras une grande nation, et je donnerai, je ferai de toi une source, tu seras une source de bénédiction, je rendrai ton nom grand, je bénirai ceux qui te béniront. Abraham a cru à ce qui lui avait été annoncé. Quelqu'un me dit amen. Ça, on est dans Genèse, chapitre 12. Dis amen. Maintenant, Abraham continue de cheminer et de marcher avec Dieu. On arrive maintenant à Genèse chapitre 13. Entre-temps, il est allé en Égypte, il s'est embrouillé un peu en Égypte. Il a dit à Sarah, sa femme, dis-tu ma soeur, s'il te plaît, comme ça on ne me tue pas, etc. Mais ce n'est pas grave, ça n'empêche pas d'avoir la foi. Parce qu'il n'est plus jamais reparti en arrière. Il n'est plus jamais reparti à Charan. Dis amen. Je n'entends pas ton amen. Donc, dans Genèse 3, Abraham revient d'Égypte, ses bergers se querellent avec les bergers de son neveu Lot, il se sépare d'avec Lot. Abraham continue son chemin avec Dieu. On va lire Genèse 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, vers le nord et le midi, donc le sud, vers l'est et l'ouest, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera comptée. » Qu'est-ce que Dieu fait
en Genèse 13, Dieu lui redonne la parole. Dieu lui redit ce qu'il a déjà dit en Genèse 12. Dieu lui dit, regarde les poussières, regarde la poussière de la terre, si tu peux compter cette poussière. Ta postérité, c'est-à-dire ce qui va sortir de toi, va ressembler à ça. Si quelqu'un me suit, qu'il dise Amen. Amen. Si quelqu'un me suit, qu'il dise Amen. Amen. Donc Abraham continue sa marche avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Au fur et à mesure que Abraham avance avec Dieu, Dieu renouvelle sa parole. Dieu rappelle sa fidélité. Dieu renouvelle. Et c'est ce qu'il fait dimanche après dimanche. Il renouvelle la parole. Voilà pourquoi il ne faut pas te dire, il ne faut jamais dire, ah, j'ai écouté ce message. Non, parce qu'en fait, à chaque fois que tu réécoutes le message, la foi est en train d'être réalimentée, approvisionnée. Ton esprit est en train d'être nourri régulièrement. Si tu me suis dit Amen. Amen encore. Amen. Donc, Dieu lui donne la promesse en Genèse 12. En Genèse 13, Dieu donne une nouvelle piqûre, une nouvelle injection de foi en disant, voilà ce qui va se passer. Tout le pays que tu vois, il lui promet, un, la postérité. Deux, il lui promet le territoire sur lequel il se trouve. En Genèse, maintenant, on descend, on avance. Genèse 14, Abraham marche toujours avec Dieu. Abraham remporte des victoires avec Dieu. Avec Dieu et grâce à Dieu. Abraham, c'est le passage où Abraham apprend que son neveu Lot qui habite Sodome et Gomorre, Abraham apprend qu'il y a une coalition de rois qui a fait la guerre contre une coalition de rois constituée entre autres du roi de Sodome et Gomorre et que les rois qui ont attaqué les gens de Sodome et Gomorre ont vaincu et que Lot, son neveu, a été emporté comme esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. En Genèse 14, qu'est-ce qu'il fait Abraham quand il apprend que son neveu Lot a été fait prisonnier, est parti, a été fait esclave? Il prend 318 de ses plus vaillants serviteurs qui étaient dans sa maison et il va faire la guerre et il poursuit une coalition de rois qui probablement étaient des milliers d'individus et de soldats et il prend 318 personnes de sa maison qui étaient des vaillants soldats et va faire la guerre à des milliers de gens. Ça veut dire qu'Abraham était un homme qui ne doutait même pas parce que tu ne montes pas avec 318 personnes attaquer des milliers de gens si tu n'es pas convaincu que le Dieu de victoire te donnera la victoire sur tes ennemis. Tu ne fais pas ça. Ce texte nous prouve que Abraham était sûr, il était certain, imprimé sur les tables de son esprit, que Dieu lui donnerait la victoire quand il allait prendre, il allait aller récupérer son neveu Lot. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Amen. Donc, ça veut dire qu'Abraham avait la foi dans la victoire sur tous ses ennemis. Il dit Amen. Amen. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kéder, Laomer et des rois, vraiment. Et des noms vraiment, mais pourquoi la donner à quelqu'un un nom comme ça? Bon, bref. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Béni, écoute ce qu'il dit au verset 20, « Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Dieu a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Qu'est-ce que je veux montrer ici? Ce que je veux montrer, c'est qu'à ce stade-là, dans Genèse 14, Abraham était riche avec Dieu. Riche pour Dieu. Donc, Abraham avait forcément... Tu n'opères pas une dimension où tu ne crois pas. Abraham était à l'aise avec la création de richesses. Abraham opérait dans cette dimension et donc il avait la foi pour ça. Amen. Également, Abraham expérimentait la victoire sur ses ennemis. Donc, ça veut dire que Abraham croyait dans le Dieu de victoire. Dans ce domaine-là, Abraham n'avait aucun problème de foi. Si tu me suis dit Amen. Amen. Mais jusque dans Genèse 14, là, le seul problème d'Abraham, ce n'est pas la foi dans le « Dieu va te donner la victoire sur tes ennemis », ce n'est pas ça.
Mais ce qui concerne la fécondité, là, Abraham n'était pas toujours rassuré. Tu vois ça où? Juste la suite. Tu vois, il y a des domaines où tu as la foi, tu remportes des victoires. Mais il y a un domaine là où, vraiment, tu mets les mains derrière le dos, tu dis, ah, pourtant je sais que c'est Dieu. Tu m'as donné la victoire. Dieu m'a prouvé. Mais Abraham était un précurseur de Gédéon. Gédéon a vaincu une armée avec 300 personnes, Abraham a vaincu avec 318. Gédéon a suivi les traces de Abraham. Dis-moi amen. Bon, tu t'appelles Abraham, tu es là, tu sais, tu ne doutes pas. Parce que tu sais que tu ne remportes pas une victoire comme ça si Dieu n'est pas avec toi. Donc tu crois en Dieu. Ta foi en Dieu est ferme. Dans le domaine de la victoire contre les ennemis. Mais pour ce qui est de la fécondité là, de Sarah, ta femme là, Sarai, c'est compliqué. Et Genèse 15 va nous révéler qu'en réalité, même malgré le fait que Dieu ait parlé une fois, il a cru. Mais entre-temps, la chair, le monde, le diable sont passés par là. Genèse 13, Dieu a parlé encore, il a cru. Mais la chair, le diable et le monde sont encore passés par là. Genèse 15, tu vois le même Abraham. Maintenant, on va lire. Genèse 15, versets 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. On pourrait s'arrêter là déjà. On ne va pas s'arrêter là. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Dis à quelqu'un, ne crains point. Si Dieu dit à Abraham, ne crains point, ça veut dire qu'Abraham était en train de gémir et de soupirer. Seigneur, je vois la victoire sur mes ennemis. Seigneur, je vois la création de richesses. Mais Seigneur, qu'en est-il là? Comment? Le dossier, c'est comment? Seigneur, mon gars, Seigneur, vraiment, comment on fait? Seigneur, fonctionne. Je sais que, tu vois, je ne suis même plus au stade où je doute de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis plus au stade où je doute de Dieu. Je sais que tu existes. Je sais. Et en plus, tu m'as annoncé que ma femme... Parce que le temps passe, là. Je serais perdu d'une multitude. Le temps passe, Seigneur. Je ne doute plus de toi. Je t'ai vu. Je t'ai vu dans la richesse. Je t'ai vu dans la victoire sur mes ennemis. Je sais. Mais ça, c'est comment? Et quand Dieu dit ne crains pas, ça veut dire que Dieu sait qu'Abraham était inquiet. Ça veut dire que Dieu sait que le gars se posait des questions. Alors, on continue. Dis-moi amen si tu me suis, dis-moi amen. Dis-moi amen. Tu vois, donc, Dieu dit à Abraham, ne crains pas. Tu entends Abraham dire, ah ah. Bon, Seigneur, puisque tu me poses la question, puisque tu veux me parler, ben moi aussi, est-ce que je peux parler? Maintenant, regarde ce que dit Abraham, verset 2. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Ah, moi, je n'avais pas dit, hein, mais comme tu m'as dit, ne crains pas, j'en profite pour poser mon dossier. Que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est de ma maison sera mon héritier. Mais comment tu peux dire ça alors que je t'ai dit à deux reprises que je ferai de toi un père des nations? Ça veut dire que la parole que tu as entendue n'était pas assise encore à l'intérieur de toi, Abraham. Non, parce que là, ce n'était pas Abraham, là, c'était Abraham. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas parce que tu as entendu la parole une fois. Quand tu as entendu une fois, tu as cru. Dis amen. Amen. Mais là, on ne parle pas de croire. On parle d'être inébranlable dans ce que tu crois. Parce que... on va avancer. Dis seulement amen. Amen. Alors, verset 4, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. En fait, je te l'ai déjà dit, Abraham, je te le redis encore. Qui sera ton héritier? Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Donc, tout à l'heure c'était, regarde la poussière de la terre. Là maintenant Dieu lui dit, regarde les étoiles. Dieu rajoute la dose. Comment ça ne suffit pas quand je te dis, regarde la poussière de la terre, compte. Mais non, regarde les étoiles. Si tu peux compter les étoiles, ta postérité sera comme ça. Abraham dit, yes Seigneur, alléluia. Là, il dit, Abraham crut, et Abraham crut. Mais le point que tu dois voir au début du au début du chapitre 15 ici, c'est qu'Abraham doutait. Il dit, amen. Ça veut dire que, en fait, il croyait, mais quelques temps après, la foi diminuait.
Et s'il craignait, ça veut dire qu'il était inquiet. S'il était inquiet, ça veut dire qu'il doutait. Il y avait encore des doutes. Or, Jacques nous dit dans Jacques 1, au verset 6, Jacques nous dit que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme, quel que soit son nom, Jacques nous donne un principe divin. Qu'un tel homme, qui? Celui qui n'est pas ferme, celui qui n'est pas constant, celui qui doute, qui s'interroge, ah, mais Seigneur, comment on va faire? Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ça veut dire que Dieu, pour manifester une prophétie, n'a pas besoin seulement de la foi, a besoin d'une foi qui est libérée de toute forme de doute, de crainte, d'angoisse, d'inquiétude. Abraham n'a pas eu cette foi. Jusque-là, Abraham n'avait pas encore cette foi. Donc, ce que je te dis est une consolation. Parce que si tu t'arrêtes seulement à Romains 4, tu dis c'est trop high pour moi. Mais quand tu lis le parcours du cheminement de la foi d'Abraham, tu te dis il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour moi aussi. Oh, que quelqu'un me dise amen. Il y a quelqu'un, il y a de l'espoir pour moi aussi, mon gars. De l'espoir pour chacun d'entre nous. Il y a de l'espoir. Quelqu'un me dit amen. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Donc Dieu parle à Abraham dans Genèse 15, Dieu parle à Abraham et en plus, là, Dieu ne fait pas que parler, Dieu maintenant scelle une alliance. Comme Dieu voit qu'Abraham n'est pas sûr, Dieu scelle une alliance parce que là, l'alliance, on ne peut pas la briser. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham de faire? Il dit, ok, mets des animaux, partage les animaux et ce soir-là, on va contracter une alliance. Donc Abraham marche, c'est comme ça qu'on scellait l'alliance dans l'Ancien Testament. Abraham marche au milieu des animaux et la nuit, c'est un feu dévorant qui traverse les animaux. La présence de Dieu a traversé les animaux. L'alliance a été contractée et après que l'alliance a été contractée, Abraham a vu sa foi bouffer du lion. Il a dit, alors là, si Dieu a juré, il a dit, je le jure. Je te garantis, Abraham, là, c'est fini. Non seulement, je te donne ta postérité qui sortira de tes entrailles, mais Dieu n'a pas dit ça sortira d'une femme qui n'est pas ta femme. Dieu n'a pas dit ça. Parce qu'Abraham n'a pas de femme. Il n'avait qu'une seule femme. Il n'avait pas de femme. Il avait une seule femme, c'était Sarah. Donc Dieu dit, je te donnerai une postérité. C'est évident, Abraham sait que c'est par sa femme. Il dit, amen. Abraham sort de là et dit, hé, la parole va s'accomplir. Maintenant, je crois. Quelqu'un me dit amen. Sauf que là, on était en Genèse 15. Maintenant, on descend encore. On avance. On tombe dans Genèse 16. Le gars qui a cru qu'il a bouffé du lion, sa foi a bouffé du lion. On arrive en Genèse 16, verset 1 à 4. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Saraï dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Voilà le problème. On accuse Dieu. Elle ne sait pas qu'il y a un combat qui a lieu, elle dit voilà. Elle ne priait pas. Elle ne priait pas, elle n'était pas fervente, elle ne priait pas, c'est ça. L'Éternel m'a rendu stérile, sans effet au nom de Jésus. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Waouh. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar, elle devint enceinte, etc. Quelqu'un me dit amen. Dis amen à la parole. Je n'ai pas entendu. Amen. Je sais que tu es en train de méditer, je sais. Tu es en train de réfléchir. Où est-ce qu'on est en train d'aller? Nous sommes en train de voir le cheminement de la foi d'Abraham pour te donner de l'espoir à toi et à moi. Pour que tu ne sois plus complexé. Pour que tu comprennes qu'à travers le cheminement, les épreuves, en fait, à travers tout ça, Dieu a travaillé le caractère. Dieu a travaillé Abraham. Sa foi parfaite et inébranlable ne s'est pas faite en un an. Non! 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 Donc, Abraham a cru en Dieu. Dieu a scellé avec l'alliance. Mais juste après, sa femme vient lui dire. Bon, d'abord, depuis quand maintenant, c'est une femme qui a le pouvoir de célébrer le mariage de son mari? Tu as vu ça dans quel pays?
Quel est ce désordre? Abraham connaît l'ordre divin. Il sait que c'est lui le chef du foyer. Le sacrificateur de son foyer, c'est lui. Mais il laisse sa femme lui dire, bon, au nom du Seigneur, je te déclare mari. Comment toi, madame, tu peux déclarer moi le mari, le chef du foyer, mari et femme? C'est un désordre. Abraham sait que c'est un désordre. Parce que c'est lui le sacrificateur. Dis-moi amen. Amen. Mais c'est un désordre qu'il laisse faire et qu'il accepte. Pourquoi? C'est la preuve qu'entre le Genèse 15, où sa foi était fortifiée, la chair, le diable, le monde, sont encore venus faire vaciller sa foi. Waouh! Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, c'est tout un cheminement. En fait, ce que Sarai lui disait, c'était Abraham. Ça fait longtemps, le temps passe. Laisse, capitule seulement, laisse tomber seulement la prophétie. Laisse seulement tomber la prophétie, ce n'est pas grave. Va seulement vers Agar. De toutes les manières, ce n'est pas l'enfant que Dieu a annoncé, mais c'est un enfant quand même. Ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le beau que Dieu voulait. C'est quand même un frère. Prends seulement la tentative de capitulation. Prends seulement le paquet, ce n'est pas grave. Ce n'est pas vraiment ça. Le ministère que tu sais que Dieu voulait pour toi. Mais c'est quand même quelque chose. Prends seulement. Ce n'est pas vraiment la santé divine. Ce n'est pas la guérison totale. Mais il y a une petite amélioration. Prends seulement. Sous-entendu, laisse tomber la prophétie. Oublie la prophétie. Laisse-la de côté. Le peu qu'il y a là. Ne sois pas trop exigeant dans la vie. Le peu qu'il y a là. Prends seulement. Laisse mourir la parole que Dieu a prononcée. Prends seulement. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle qu'Abraham n'était toujours pas convaincu. Sa foi chancelait, vacillait. Quand Sarah lui a proposé ça, il a dit, ah, si tu insistes. Lui, il a vu par là, sauf qu'il peut, au moins j'aurai un enfant. Au moins la parole va s'accomplir. Oui, mais ce n'est pas celle qui vient de Dieu, ce n'est pas celle que Dieu avait dit. C'est déjà quelque chose. Seigneur, augmente notre foi et affermis notre foi. Si le Seigneur me donne cette parole, j'ai la conviction que c'est pour nous emmener, Église, dans une dimension où notre foi qui était là, qui est là, mais un coup elle va, elle vient, nous rentrons dans la phase où par le miracle du Saint-Esprit, cette foi devient ferme et inébranlable au nom de Jésus. Nous rentrons dans cette dimension. Quelqu'un me dit amen. Amen. Abraham a quitté Ur en Chaldée à 75 ans. Il a quitté Charan à 75 ans. À Charan, 75 ans. Au moment où Agar tombe enceinte et elle enfante, il a 86 ans. Ça fait 13 ans qu'il marche avec Dieu. 13 ans que Dieu vient de temps en temps lui redire la même parole. Mais la chair, le monde, le diable viennent faire tomber la parole. Et on se demande, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Jacques dit qu'un homme qui doute, qui chancelle, ne s'imagine pas qu'il reçoit quelque chose du Seigneur. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, c'est que la prophétie ne peut pas se manifester tant que la foi vacille. Seigneur, je prie qu'elle soit ferme au nom de Jésus. Le grand Abraham, le père de la foi, n'a pas vu sa foi devenir parfaite. Non, ça a pris du temps. Non, ça a pris du temps. Et lorsque Ismaël est venu au monde, Abraham a mis de côté la prophétie qui lui a annoncé que c'est par sa femme qu'il allait devenir père d'un grand nombre de nations. Abraham a mis la prophétie de côté. Il continue de croire en Dieu. Mais cette prophétie-là, il a dit seulement, ah, tu me diras, pasteur Ivan, à quoi tu reconnais ça? Viens avec moi, lis Genèse 17, verset 17 à 18. On va dire avec français courant. Quand Dieu vient le visiter, pour lui dire, et là maintenant, Abraham a 99 ans. Entre le temps où il a eu Ismaël, 86, il y a encore 13 ans qui se sont rajoutés.
Maintenant, ça fait 24 ans de marche avec Dieu. Je sens ton visage vraiment décomposé. Il dit, mais Seigneur, je sens quelqu'un dire en lui-même, mais qui peut donc être sauvé? Tu verras la prophétie devenir réalité au nom de Jésus. J'ai dit, tu la verras s'accomplir. Ne t'inquiète pas, tu la verras. Mais il faut comprendre ce qu'on dit là, parce que le Saint-Esprit m'a dit, vous dites que vous avez la foi. Vous me demandez pourquoi ça ne se manifeste pas, alors que c'est pour ça qu'il me donne cette parole. C'est pour vous montrer que la foi que vous dites que vous avez là, elle dure un temps. Et puis après, chou. Et à l'église le dimanche, je suis prêt. Quelques jours plus tard, chou. Les choux là s'arrêtent au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Donc dans Genèse 17, versets 17 à 18, oulala, c'est... Alors la Bible dit, quand Dieu lui dit, ta femme Sarah sera enceinte l'année prochaine, quand tu auras 100 ans. Regarde, Abraham se jeta le visage contre terre et il rit. Car il se disait, comment pourrais-je avoir un enfant, moi qui ai 100 ans? Et comment Sarah, qui en a 90, pourrait-elle devenir mère? Alors il dit alors à Dieu, oh Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face. Ici il dit, pourvu qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui, je ne le demande pas plus. J'ai déjà un héritier. C'est bon. Ça veut dire qu'Abraham a mis de côté la prophétie. Le père de la foi n'a pas une foi parfaite, et toi et moi non plus. Garde espoir. Pourvu qu'Ismaël vive et que tu t'intéresses à lui. D'autres versions disent, et que tu en fasses ton héritier. C'est bon. Sous-entendu, Abraham dit à Dieu, laisse tomber. Ça fait tellement longtemps maintenant. Laisse tomber, Seigneur. Je me suis consolé avec Ismaël. La prophétie ne s'est pas tardée. Mais je ne t'en veux pas. Je sais que tu as fait de ton mieux. Je sais. Tu as tout essayé. Seigneur, c'est bon. C'est bon. On va pas trop t'embêter. On me disait ma mère, d'arrêter de déranger, on ne va pas trop déranger Dieu, il a d'autres sujets à gérer. Occupe-toi un peu des autres, de Sodome, de Gomorre, là. Occupe-toi des autres dossiers, là. Moi, c'est bon, ça va aller avec ça. Ça va aller avec ça. Mais la vérité, c'est que Dieu sait ce qui te rendra heureux. Et Dieu sait que tu as fait 24 ans que tu marches avec lui. Et là où Abraham avait jeté l'éponge, Dieu n'a pas jeté l'éponge parce qu'il a dit, je veille sur ma parole que j'ai prononcée pour l'exécuter. Je suis venu te dire que là où toi, tu as cessé de croire, là où tu doutes, tu dis, est-ce que ça s'accomplira? Dieu m'a dit, même si tu n'y crois pas, il n'a pas jeté l'éponge. La parole est toujours dans l'atmosphère. La parole cherche toujours à s'accomplir. Elle attend seulement que ta foi devienne ferme. Et voilà pourquoi, ça c'était en Genèse 16, donc c'était en Genèse 17, voilà pourquoi Dieu revient, non, c'était à Genèse 16 tout à l'heure, voilà pourquoi Dieu revient le voir. Comme Dieu sait qu'Abraham n'y croit plus. Ce n'est pas parce que tu n'y crois plus que Dieu va te laisser comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham? Il est venu réveiller sa foi. Où ça? Dans Genèse 17 au verset 1. Dans Genèse 16, il s'est laissé avoir par Agar. Dieu a dit, je vois que tu ne comprends pas. Dieu revient à la charge 13 ans plus tard, lui dit, et quand il lui parle dans Genèse, dans Genèse 17 au verset 1, l'Éternel apparut et Abraham, elle lui dit, maintenant regarde ce que Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Ça fait longtemps que tu m'appelles Éternel, Éternel. Je suis. Maintenant je suis venu te dire une chose, je suis le Tout-Puissant, El Shaddai, le Tout-Suffisant, celui qui dit une chose et qui est capable, le Dieu qui a toute capacité. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Sois intègre, ça veut dire sois droit. Arrête de chanceler, de vaciller. Tu m'empêches d'accomplir la prophétie. Arrête de t'agiter. Un coup tu crois, un coup tu doutes, un coup tu crois. Arrête, Abraham, désormais, sois intègre. Et là, Dieu va avoir une longue conversation avec Abraham. Et c'est à la fin de cette conversation avec Abraham, après 25 ans, 24 ans de cheminement avec Dieu, que Abraham s'est posé. Il a regardé sa vie, son expérience. Il a vu les hauts bas qu'il a connus. Il en a eu assez d'avoir des hauts bas, hauts bas. Il a dit, là, il s'est assis et Dieu lui a donné le réma. Abraham, je suis El Shaddai. Ce qu'on a dit mot
je peux l'amener à la vie. Ce que j'ai annoncé, je peux. J'appelle les choses qui n'étaient pas à l'existence comme si elles étaient. Abraham, je te donne une révélation de moi que tu n'as toujours pas. Tu n'avais pas encore vraiment. Parce que tu vois, même toi et moi, quand on lit la Bible, on n'a pas compris qui est El Shaddai. On chante El Shaddai, mais on ne s'est pas arrêté pour dire au Seigneur, parle-moi El Shaddai, révèle-moi qui tu es. Parce que la foi inébranlable vient, pas quand tu as écouté seulement l'Église, mais lorsque après avoir écouté l'Église, tu as appris ce réma, tu allais t'asseoir. Tu dis, bon, il y en a assez de gesticuler. Il y en a assez de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Parce que la vérité, c'est que Dieu attend que ta foi soit ferme. Dieu attend que ta foi soit inébranlable. Dieu attend. Et tant que la foi n'est pas ferme, Dieu ne peut pas manifester. Et le Saint-Esprit m'a dit, Abraham a dû prendre rendez-vous avec lui-même. Après cette longue conversation avec Dieu, il dit, bon, maintenant, il y en a assez de s'agiter. Toi, cher, je ne te considère plus. Toi, c'est fini. Maintenant, on se calme, on se pose. Seigneur, imprime tes paroles. Le, tu vois, le problème, c'est que ce niveau de foi inébranlable ne viendra pas dans ton cœur sans une intimité avec Dieu, sans une communion avec Dieu, sans une interaction régulière avec Dieu. Cette foi inébranlable est accessible pour ceux qui sont les intimes de Dieu comme Abraham et qui peuvent parler avec Dieu. Et Dieu peut dire, tu vois, regarde, ça tu as fauté, ici tu as fauté, ici tu as fauté, ici tu as lâché. Abraham dit, je reconnais, tu as raison. Je demande pardon pour là, je demande pardon pour là, je demande pardon pour là. Tu vois, attends. Dieu dit, Abraham, tu vois, tu t'inquiètes trop de qu'est-ce qu'on va penser. Et à chaque fois, tu reçois ma parole, mais quand tu sors de l'église, tu te demandes toujours qu'est-ce qu'on va penser si je reste célibataire, qu'est-ce que ma famille va penser, qu'est-ce que. Et à chaque fois, ces voix de qu'est-ce que étouffent ma foi. À partir d'aujourd'hui, Abraham, accepte de mourir à qu'est-ce qu'on va penser de toi, accepte de mourir à qu'est-ce qu'on va dire. Parce que la plupart du temps, quand les problèmes ne s'accomplissent pas, tu as toujours une question qui te dit, mais qu'est-ce que les autres vont penser? Meurs à toi-même, qu'ils pensent ce qu'ils veulent, ce n'est plus ton problème. Abraham est mort à sa réputation, mort à l'opinion des gens, mort à... Qu'est-ce que tu dis? Il est mort à l'opinion des hommes. Ce n'est plus mon problème. Et Dieu a mis en lui une certitude. Quand il a commencé à louer, à rendre gloire à Dieu, à baigner dans une atmosphère de louange, c'est là que la Bible nous dit, c'est là qu'il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, c'est là qu'il a reçu la pleine conviction. Je te l'ai dit, la louange fait fuir les voix étrangères et consolide la voix du Saint-Esprit. C'est là, à 99 ans, que Abraham a reçu la foi de Romains 4, versets 17 à 21. Ce n'était pas au commencement. 25 ans plus tard, Isaac est né. Ça n'attendra pas 25 ans pour toi au nom de Jésus. Je sens une espèce d'inquiétude. Abraham est mort à 175 ans. 25 ans où ça a pris 25 ans pour voir sa foi s'affermir. Il est mort à 175 ans. Ça veut dire que ça a pris 14% de sa vie sur Terre. Si l'homme vit en moyenne 70 ans, 14% là, ça fait 10 ans. Est-ce qu'il est possible de mettre 10 ans pour voir, pas dans tous les domaines, mais dans ce domaine-là que tu connais? Je te confirme que ça prend du temps. Qu'une fois s'affermisse, ça prend du temps. Mais si Abraham y est arrivé, Dieu ne fait pas de favoritisme. Et tu remarqueras une chose, c'est pas Abraham avait jeté l'éponge. Dieu est venu lui rappeler la parole afin de la manifester. Le Saint-Esprit m'a dit, là où tu as jeté l'éponge, il vient ramener la parole, mais il ne l'a pas jetée. Il n'a pas jeté, c'est lui qui donne la foi. La foi est un don de Dieu que tu reçois comme une forte impression à l'intérieur de toi. Mais il faut que tu apprennes à honorer le Saint-Esprit et à cultiver la communion avec Dieu pour recevoir cette foi inébranlable. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Pendant que le Saint-Esprit me parlait, il m'a donné cette vision.
C'est comme un flash que j'ai reçu. Il me dit, c'est comme un flash qu'il m'a donné. Il me dit, en fait, chaque fois que tu crois, tu sers le colis. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Chaque fois que tu es fervent vis-à-vis de la promesse, il m'a dit, ton attitude détermine l'attitude des anges. Les messagers qui transportent tes colis. Chaque fois que tu sers la prophétie, tu sers la parole dans ton cœur, les anges serrent le colis qu'ils transportent. Chaque fois que tu es fervent, les anges sont en mouvement et en train de se battre pour toi. Chaque fois que tu deviens paresseux, les anges sont attentifs. Chaque fois que tu doutes de la parole, tu lâches le colis, les anges lâchent le colis. C'est comme ça qu'il m'a montré ça. Il m'a dit, quand tu lâches, tu cesses de croire, le colis que les anges transportaient tombe. Quand tu ressaisis ta foi, le colis, quand ton bras reprend le colis, les anges reprennent les colis. Tu ne peux pas blâmer Dieu à dire au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi ça traîne? Pourquoi ça traîne? Parce qu'en vérité, tout dépend de ta capacité à toi à garder en tout temps, quels que soient les coups de la vie, quelles que soient les voies de la chair, quelles que soient les voies des démons, quelles que soient les voies du monde. Mais où est donc ton Dieu? Même si tu prends des coups, garde le colis. Même si tu prends des coups, garde le colis. Tant que tu gardes le colis et que tu es fervent et bouillant, les anges continuent de se battre et ils continuent de garder les colis dans leurs mains. Voilà pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il y a une grâce spéciale dans cet endroit, de manière miraculeuse, pour affermir ta foi. De la même manière que c'est Dieu qui a affermi la foi de Abraham et l'a rendue inébranlable. Ce ne sont pas les efforts de Abraham. Si ce n'était que Abraham tout seul, il t'a montré combien de fois il a craqué. Mais la grâce de Dieu est venue sur lui. La même grâce vient aujourd'hui, tu vas te lever. Elle vient pour affermir ta foi. Tu ne sauras pas pourquoi et ni comment, mais tu sauras qu'à partir d'aujourd'hui, comme Abraham, toi aussi, tu sauras que tu sauras que tu sauras. Et tu dirais désormais, je sais que je sais que je sais que je sais que Dieu donne la vie à celui qui était mort et il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh, 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 Seigneur, soutiens. Élève la voix, demande pardon à Dieu pour avoir lâché toutes les fois où tu as lâché. Demande pardon pendant que nous sommes en train de chanter. Les katomros, il a la main, il est rebo. Oh, 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 Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie. Les cabros, que t'es les rebo. Christ est la vie recherchée de oh, 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 Seigneur, soutiens. Christ, Christ est la vie. Je demande pardon pour toutes les fois où j'ai chancelé, où j'ai vacillé, où j'ai hésité, où je me suis inquiété. Pardon pour toutes les fois, Père, où j'ai douté. Je m'humilie. La foi est un don qui vient de Dieu. Par moi-même, j'ai essayé, je n'y arrive pas. Mais ce soir, cet après-midi, Seigneur, soutiens ma foi. Christ, 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 tu es la vie, auteur de ma foi, et celui qui l'amène à la perfection. Oh, soutiens, soutiens ma foi. Christ, Christ, tu es la vie. Mes sources sont en toi, ma force vient de toi.
Ma foi vient de toi. Mon audace vient de toi. Ma vigueur vient de toi. Mon courage vient de toi. Prends-moi, 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 prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, prends-moi. Fortifie ma foi. Tu as fortifié Abraham. Tu as rendu sa foi ferme. Tu l'as rendu inébranlable. Oh ma foi, par l'action du Saint-Esprit, il est valable. Prends-moi, prends-moi. Tel que je suis, ne me laisse pas vaciller. Ne me laisse pas chanceler. Non, je t'en prie. Abraham aimait Dieu, tu l'as honoré en imprimant la foi ferme à l'intérieur de lui. Il n'est pas trop tard. Fortifie. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, tel que je suis. Je m'abandonne, je te prie. Prends-moi, 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 Seigneur. Oh, je te prie. Dans mon état, la 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 bosse, catalambros. Pardon. Pour toutes les fois, Père, où nous avons chancelé, où nous avons douté. La foi est un don qui vient de toi. Elle vient de ce que tu imprimes, ta parole, le son de ta voix, qui nous donne une certitude et une quiétude totale. Maintenant, par les compassions de Christ, imprime cette foi qui produit le repos. Imprime cette foi qui est morte à que va-t-on penser de moi. Imprime cette foi audacieuse qui espère contre toute espérance. Imprime cette foi zélée qui ne se laisse pas impressionner par les verdicts humains. Imprime cette foi. Imprime cette foi qui ne doute plus. Pourquoi elle ne doute plus? Parce que nous ne considérons pas, nous ne considérons plus les faits que nous considérions hier. Imprime cette foi qui procure le repos. Imprime cette foi qui ne doute pas par incrédulité au sujet de la parole, mais qui est fortifiée en donnant gloire. Je te rends grâce. Je te donne toute la gloire de ce que la confusion ne sera pas mon partage. Je te rends toute la gloire de ce que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné. Je te rends grâce. Je te rends toute la gloire pour ce que tu vas manifester. Les cieux et la terre passeront. Tes paroles ne passeront pas. Accorde-moi la grâce dès maintenant. Comme Anne s'est ressaisie et elle s'est remise à manger. Elle a souri. Alors que l'enfant n'est venu que 9 mois, 1 an plus tard, accorde-moi la grâce de me relever, de sourire et de commencer à danser et à chanter et aller dire aux gens, ma femme ne s'appelle plus Sarai, elle s'appelait Sarah, princesse de Dieu. Je ne m'appelle plus Abraham, je m'appelle désormais Abraham. Il y a une alliance avec Dieu, je suis un père de multitude. Je suis un porteur de promesses, un porteur de prophéties. Et ces prophéties parleront, ces prophéties s'accompliront. Prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans mon état, Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Père, dans le nom de Jésus, nous voici convaincus de ta grâce. Nous ne sommes plus au stade où nous doutons de toi. Non, c'est clair, c'est fini. Nous savons que d'éternité en éternité, tu es Dieu. Nous avons vu ta main, tes actions. Déjà dans le fait que nous soyons sauvés, c'était le plus grand miracle du monde.
Nous avons vu comment tu nous as délivrés de la puissance des ténèbres. Nous avons vu comment tu nous as délivrés, tu nous as convaincus. Et tu nous as rendus capables de croire, sans l'avoir vu, que la Vierge avait enfanté. Et aujourd'hui, nous le croyons. On n'a même pas besoin de discuter avec nous là-dessus. Nous sommes certains de cela. Maintenant, là où tu vois, dans ce domaine de la parole, où tu voyais que notre foi chancelait, où elle vacillait. Elle montait, elle descendait, elle montait, elle descendait. Elle n'était pas stable. Cette parole que nous venons d'écouter prouve que finalement, ce n'est pas à Abraham que revenait le mérite de la foi qu'il a eue. C'est à ta grâce que revenait le mérite. Parce qu'il avait jeté l'éponge. Tu l'as forcé à reprendre l'éponge. Parce que tu as dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et tant que la prophétie ne s'est pas exécutée, toi-même, tu ne t'arrêtes pas. Tu ne baisses pas les armes. Et tu as poussé Abraham à reprendre les armes en lui envoyant la parole. Aujourd'hui, tu nous envoyais la parole qui nous a fait prendre conscience que pour nous non plus, ce n'est pas fini. Parce que la bonne nouvelle, c'est que malgré notre foi petite qui vacille, toi, tu n'as pas jeté l'éponge en ce qui concerne les projets de paix que tu avais formés sur nous pour nous donner un avenir et de l'espérance. Dès lors que tu n'as pas jeté l'éponge, accorde-nous la grâce, nous aussi, de récupérer les âmes, de récupérer les éponges. Nous croyons en toi, El Shaddai. Tu es le Dieu tout suffisant. Même si le monde entier est contre la manifestation de cette prophétie, de cette parole, El Shaddai est le tout puissant, le tout suffisant. Sa grâce suffit, sa capacité suffit. Et merci de ce que, avec une petite foi, comme un grain de sénévé, tu peux déplacer des montagnes. Voilà pourquoi je déclare et je décrète que les montagnes qui persistaient devant nous se déplacent maintenant au nom de Jésus. Une grâce qui n'est pas le résultat de nos efforts. Une grâce qui n'est pas le résultat de notre intelligence spirituelle. Une grâce qui est le résultat de la compassion et des bontés de Dieu se déverse dans cet endroit et rend une personne chancelante désormais ferme dans sa foi. Et je déclare que c'est pour cette saison la manifestation des paroles qui ne se manifestaient pas encore. Et pour cette saison, dans le nom de Jésus, on ne l'attribuera pas à mon intelligence ou à ton intelligence, parce que tu sais, comme Abraham savait au-dedans de lui, que sa foi n'était pas inexistante, c'est juste qu'elle était petite. Mais Jésus a dit, si vous avez la foi, même si c'est petit comme un grain de sénévé, et cette foi, par la grâce qui surabonde, nous rend tous capables de voir désormais nos cœurs apaisés et dans le repos, et de voir la manifestation des paroles qui retardaient. Désormais, les anges garderont les colis parce que nous garderons la parole, nous garderons la prophétie. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Dans le domaine où tu l'attendais, lève les mains. Dans le domaine où tu l'attendais, lève les mains. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Reçois-la et acclame. Et acclame. Et acclame. Et acclame. Et acclame. Et acclame. Osata la ribocatera. Presakata yelabosa. Yelebrosa yelebosa. Leva lebo. Prends-moi, prends-moi. Tu me prends. Dans mon insignifiance. Et c'est pas là les mots, chandelle les mots. Prends-moi, prends-moi, prends-moi. Prends-moi, 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 prends-moi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état.
viens de comprendre que finalement, c'est Dieu qui a aidé Abraham à voir la manifestation de la prophétie. Ce n'est pas Abraham qui était intelligent, fort. C'est Dieu qui a aidé Abraham. Le même Dieu qui a aidé Abraham nous aide de manière surnaturelle. Mais il me dit de te dire, il me dit de nous dire, quand tu verras la manifestation de ce que tu attendais, sois humble, ne fais pas la fière, ne fais pas le fier, ne fais pas l'arrogant. Ce n'est pas toi qui l'auras fait. Rends-lui honneur. Rends-lui gloire. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Fais monter mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. 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 Mieux que ça.